Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de vie, 35 minutes de vérité avec le pasteur Cass. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Après avoir suivi la conférence Toye Lelo et Paya Frère Cass, naba membre de l'église primitive, Kosolola Nabango, d'abord par rapport à déroulement et à la conférence Ndenge Salamaki, quels sont les points positifs pour Simbaki, pour Simbaki, partout à travers le monde, pour le Baki, par émission, il y a Boyende, très éducatif, par émission, Boyende, tout ça, pour ça, par rapport à la croissance sur le plan spirituel, pour réclamer qui image à la conférence, grande ligne à conférence et puis beaucoup de questions botunibiso par rapport il y avait mission déjà tosali na frère Cass na frère Zegueli papa shalom le frère shalom. Tout le plaisir est pour nous en babino le long plateau émission Point de vie frère Cass conférence Cécile peuple congolais en apo ça qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché non tout a bien marché d'après les recommandations du Seigneur, si nous sommes ensemble pour parler de lui, pour assurer l'ordre dans son Église, il a promis d'être avec nous et de nous éclairer en toutes choses. Nous avons été aidés amplement par la présence du Seigneur à accueillir très bien les serviteurs de Yahweh Elohim qui sont venus de partout dans le pays et d'autres pays aussi, y compris notre frère Ouh qui est venu de l'Europe. Le premier point, ça a été la définition du message du temps de la fin. En deuxième position, nous avons voulu écouter ceux qui avaient des problèmes dans le domaine spirituel, tout comme aussi le domaine naturel. Tout a été réglé très bien. Et puis, nous avons découvert par la grâce du Seigneur un frère qui semait le trouble dans le Kasaï. Il ne s'était pas bien comporté pour répondre aux simples questions. Nous l'avons exclu, toujours d'après les recommandations du Seigneur. Et puis, il nous a resté le bon moment, très agréable, d'analyser le message du temps de la fin. Tous les sauts, nous les avons parcourus pour ressortir la notion de cet tonnerre qui a égaré beaucoup. Et nous avons analysé aussi ensemble le septième saut particulièrement pour ressortir ce que le Seigneur a dit au temps de la fin au sujet de cet honneur et au sujet du septième saut. Donc ça a été une très grande joie. Tous les frères sont répartis, sauf quelques-uns, moins de 10 personnes, ou c'est tout au plus 10, parce qu'il y en a encore ici à Kinshasa qui sont logés chez certains frères. Maintenant, nous continuons à résoudre d'autres petites questions. Nous avons aussi établi ensemble un nouveau prédicateur principal à Minova. C'est une ville qui est située entre Goma et Bukavu, à l'est du pays. Ça a été une très grande joie. Aussi, le vendredi, au cours de la conférence, toujours pendant la période, nous avons célébré le mariage de notre frère Zekpele, prédicateur aussi, des ministres au plan. Il a eu une femme de Minova toujours comme troisième épouse et cela a été une grande bénédiction. En général, la septième conférence de l'église primitive a été une grande réussite totale dans tous les domaines, dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Derrière moi, vous avez les frères. Sont partis de notre assemblée ici, mais en mission dans les Katanga. Il y a le frère Omari et le frère Ben, respectivement à Kolwezi et à Kasumba Lessa. Ce sont eux qui représentent la foi chrétienne, la vraie foi, dans la parole révélée au temps de la fin.
dans ces deux villes-là. Voilà ce que je peux dire de façon brève en ce qui concerne les travaux de la grande conférence générale de l'Église du Seigneur recommandée par son esprit à travers le message d'Allah. Merci. J'espère que tu es au frère Kass, par rapport à l'introduction. Mais je retourne un peu à Imboko Banasima. Moi, deux minutes. Avant de poser la question, tu es un peu la conférence. Frère Omar et Shalom. Naza frère Omar et frère Ben. Frère Kimba. Lokola. Moboti Nabiso, pasteur Kass, à Otikoloba. Tobotami na ministère Naye. Conformément aux volontés de Nzambé, na l'Ekoyo. Parce que si mon prophète Branham est un message, qu'on dépose un message, il faudrait que Moutoumoko ait un message pour continuer. Il y a un salaki na Moïse, tant qu'il y a Moïse, a suscité Josué. Tant qu'il y a salaki na Paul, après Paul, a suscité qui Timothée. Et il y a un bon mot dans la Bible. Pourquoi tu as dit que tu as ya ngonga na biso lokola frère Branham akendaki alors a sepela ki komona église ya lelo ezala lokola église primitive ya ebandeli alors aktika ki ilakisi yango na serange de code de Jésus-Christ alors ye asalaki yango te mais yango nde ekokokisama na mutu na Nzambe ndenge na utiko expliquer yo tango Nzambe azwi mosakoli. Il fallait susciter mutu moko ya kobate la bato na kondima moko moko o musakoli atiki. Alors mutu ango biso na grâce na kolo to sito découvrier. Azali ka ndeko na biso pasteur Kass. Alors pour na peu comprendre ye oyebaye. O azali difficilement le mal compris à mais travers ça, le monde. Oui. Pour comprendre, il faut que Nzambe a révélé yo. Parce que son Nzambe a révélé yo te okofinga ye. Son Nzambe a révélé yo te okoyebaye te. Est-ce que le message passe place Binobosa, place l'église primitive est implantée? Mais kuna oui. Kuna bisonde toujours représenté foi ndenge tata na biso la kondi malobi toujours représenté foi église primitive ma la kisi moko moko ezoteama ah ya on est toujours représenté kuna parce que tozana la kisi bosu soute donc message est dévié eza dévié te s'occuper parce que toujours landaka ndenge zo boaka ba image na YouTube. Ce qui peut lingi au meki ko tuna bandeko ya kasumbale sana kolozi kuna bakoyebisa yo pokuna ba prédicateur nyoso tu ya sept honneurs ba Branham et Dieu bato bazola ndangulu po bazola ndewa de franc ba nyoso tu lelo bazana c'est na table kuna mutu moko akoko matsa mutu tendenge moko moko zumona ba prédicateur lelo bazo kima pasteur Kasia wa ndenge pe bazo sala ka kuna ndengwa parce que ce qui tata boti mwana et singeli pe azala kana elobeli ya tata ya tata ce qui tata boti mwana mwana il faza kana elobeli ya tata. Merci. Frère Shalom. Shalom, shalom. Ce qui peut se présenter à travers le monde baimbo ka bakolanda. Moi c'est le frère Paul Odari. Oui. Je suis pasteur de l'assemblée de l'église primitive à Kolwezi. Oui. Actuellement appelée la province de Lualaba. Merci frère. Oui, oui, est-ce que le message du temps de la fin, ils ont vraiment un message où l'église est rotée en attendant? Mais évidemment, c'est le vrai message, l'unique vrai message que le Seigneur a envoyé pour préparer les élus à l'enlèvement. C'est-à-dire l'épouse, rassembler l'épouse dans la foi originale pour participer à l'enlèvement. Il n'y a que ça comme parole. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est le message du temps de la fin, promis dans les Saintes Écritures, parce qu'une vraie et véritable Église doit être l'Église promise dans les Saintes Écritures, assise dans les promesses. Donc, d'après Malachie 4 et Daniel chapitre 12, Matthieu chapitre 17, c'est là que le Seigneur a promis que le message devait d'abord venir avant toutes choses, donc pour le rétablissement de toutes choses. C'est ça le message que nous devons prêcher. Et nous les prêchons, nous les représentons là-bas à Kolwezi, dans le Katanga. Partout là-bas, le même message est répété dans sa forme originale. En dehors des confusions comme celle de sept tonnerres révélées, le septième sceau révélé, la venue que Jésus-Christ serait déjà de retour, le millénium serait déjà établi, la monogamie
obligatoire, ça c'est la confession. Mais le Seigneur avait promis que ce message devait nous apporter la lumière et que son peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Alors nous remercions le Seigneur pour cela et surtout pour le ministère que le Seigneur a établi pour nous conduire juste dans la terre promise. Merci. Oui. L'homme de Dieu, shalom. Shalom. Une petite présentation par rapport à toutes les personnes qui nous suivent. Moi, c'est le frère Kefa, prédicateur aussi de l'église primitive au Congo-Brazzaville, dans la ville de Nkayi. Présentement ici en mission au Bas-Congo, à Songolo. Conférence Cécilie, quelles sont les grandes lignes par rapport à la conférence sur Salamalion, l'église primitive, au Yomogo étant des serviteurs, le détang au Yogi, croissant sur le plan spirituel et collectif. Ah, conférence, c'est là qui est très 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 bien, très malam ou le kaki. Parce que bon, enseignement, ton vie, en une semaine, ton équipe conférence, et ça carrément, il y a basané. Parce que tu découvris, na katia message, ou un pasteur n'a dit sur la qui se veut. Ma grande ligne, surtout, c'est la confusion de l'eau dans le milieu et un message qui tombe de la fin. Par exemple, sur les sept tonnerres, que souvent, bah, tu vas que frère Branham, le bac qui va sept tonnerres, c'est faux. Mais tu découvris, Yango, que, attends, mon colombo, côté, à le bac Yango, oui. L'enseignement toujours. Mais il y a Azala qui peut supposer, Azala qui peut penser qu'il y a besoin de révélation ou non. Comme il y a mon coup Azala qui peut coller, faire Odari et Alobi que Daniel 12, Azala qui promet aussi un message au temps de la fin. Alors qui connaît plusieurs liront les livres et la connaissance augmentée. Même connaissance, il y a prophète Branham et Mataki. Au fil et à mesure, il y a un alors, frère Branham, à l'oba, qui est ici à mon côté? Parce que la définition de l'enseignement de frère Pierre, n'a pas saut de Monique, attend mon colomoko à l'oba qui était, septième chose à révéler, septième chose à révéler. Mais là, qui peut supposer, qu'on pense, le col à Montoni aussi. Tant que nous avons dit que l'oba n'a été, qu'il y a qu'on soit à l'oba. Mais tant que nous avons corrigé, il n'y a pas de corrigé. N'a ainsi dit le Seigneur que à cause de Yangote et Ezarevete et on a pensé qu'il est bossé Zala qui est l'écouta et Zala qui est l'écouta. Donc, tout découvrir le loco, ça dit tout comme il y a ma casse ni. Parce que Zala qui m'a dit loco, bah ton oïs, bah Zala koloba, oh non frère, bah non, ma loba qui est Ezarevete. Mais oh yo bala qui si biso. Par exemple, ceux qui bossent Kaka et exemple, il y a sué réponse, il y a 1964. Côté Batoning et Balobaka, frère Branham Batoning, est-ce que cette tonnerre est à révéler, mais la Kissamine a batoté, nous que l'obité, Botala Nabasso est à révéler. Mais frère Pierre, la Kissibiso, tant ou à l'obaki, Botala Nabasso, ça veut dire quoi? Explication ou un anzambé à Pessa qui est en ce qui concerne cette tonnerre est à révéler, ni en Guazotin d'Abatoba mon ami. Merci. Mais où on a trouvé Baki en côté? Merci beaucoup. Merci. Frère Pierre, en coulisses, dans ce qui m'attend, il y a Rolanda, on attend, on a un serviteur dédié. Beaucoup de questions, peu Nakomaki. Avant tout, nous avons des questions belles ou des téléspectateurs, tout dans le plan des réseaux sociaux. Quel est le résumé à 4e saut? Sur le ciel, on résumé à 4e saut. 4e saut, c'est le Belanine. 4e saut, Apocalypse, chapitre 6. Depuis le verset 8, quelque chose comme ça, les alliés qui ont dévoilé Motel et Méli, il y a Christ, c'est-à-dire le pape. Oui. Là, Église, il y a Yé, il y a Lokuta. Oyo, et bien remis là, 4e saut, séjour des morts. Donc, Église catholique, dans 4e saut, et Talisami, Nava protestant, Nava méthodiste, Nava pentecôtiste, donc là, le séjour des morts. Il y a un monde, Zali Kolanda, Antichrist, le pape.
Nassima. Donc, combat ezali entre le Saint-Esprit, na bangonyonso, bazali, moisi, il y a Antichrist. Donc, ba couleur misatu, il y a premier saut, il y a pembe, mi balé, il y a deuxième saut, il y a motane, na il y a mwindo, na troisième saut, Antichrist a sangisi yango, na quatrième saut, na sukawa. C'est-à-dire, azui religion, couleur ya pembe, azui politique, couleur rouge, yango na ba catholique. Si quoi, moutouyon soye bike, ezali li sanga yan zambete, ezali li sanga ya satan. Yango na ba lingi ba dirige politique, parce que bazala gaba politicien. Yango de couleur rouge. Couleur rouge, on les autres, ils s'appellent makila, parce que ezali li ngomba, dans le bandaki politique, ezali ko forcé, ko sali sabatou na makasi, bazonga kakana lisanga ya ba catholique na makasi pe babumaki baye banso balingaki kozonga na lisanga na bango ya ba romain catholique te à peu près 68 millions wanande nombre bango moko ba catholique ba tienne na buku na bango pona komi kumisa lokola ba salelaki nzambe ya bango musala na kopesa kaye ba sacrifice wana ya 68 millions ya ba protestants po bazali kotanga bible. Alors couleur ya mwindo ezali couleur ya magie et pas ya bandimi ezota li sape désespoir oyo bandimi ya tango wana batikalaka na yango sima na kolelaka bandeko na bango baike yango nde couleur noire. Donc, Antichrist, le pape, Satan Yasuka, a sangisi yango, yangonde bimiselie couleur ya verdâtre, couleur pâle. Couleur pâle et outina, mélange ya trois couleurs. Religion politique, religion couleur blanche, koimi komekola. Christ, na acte Apocalypse 19, ezali pureté. Zali et couleur et vérité, couleur originale. Yepe azome quoi. Azipe ya ye couleur originale. La koko banaye a changé ministère à commune Kobomabat. Souka souka, azui couleur noire. Mais zali kaka ye moto abandaki na premier saut couleur blanche, deuxième saut couleur rouge, troisième saut couleur noire, quatrième saut zali, conclusion. Rassemblement, il y a ma cambo na yinyons, ba religieux na yiba théologie na yinyons, mangomba na yé et manso, ba catholique, ba michoni yalelo, ba méthodiste na pentecôtiste finalement. Quatrième saut, c'est la bataille finale. Mais yé si koyo yo momati punda, ya quatrième saut, antichrist ou bien le pape, kombo na yiba pesi et na kolo yé chouzen, la mort. Ce que t'en gagne na quatrième saut. Comme on a dit, liwa, liye koloba ke soki on dimi makambo na ye, ya ba catholique, ya ba missionni, ya ba méthodiste, pe ya ba pentecôtiste finalement, ozali mokufi, spirituellement ozali mokufi, pe ozali na séjour de mort actuellement. Quatrième saut, yangwa, ozali dévoilement ya Satan sur la terre. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, septième saut, sixième saut. Parmi tous ces sauts, Sony nous a révélé, ils ont fait sa combo à Jésus, grandeur sur le plan spirituel. Non, ça. Parce que premier saut, ils ont dit que Ngolo Yende a joué qui honneur, a joué qui est digne, Yende a kokaki, kopusana, na trône, il y a miséricorde, il y a tata. Pour bon maman qui paie à ses quoi qui a zui beaucoup il y a le bico le livre de la rédemption les saintes écritures yende a zui yango na le boko na ye yende a kokaki po a fongola bilembo biso pe atalisa ma bombe mi oyezali na église primitive mariage et divorce la semence du serpent donc yende azali acteur principal. Yende a révélé Yango, Yende a zui beaucoup, Yende a brisé Bilembo.
yende a dévoilé makambo manso o bisoto yebi donc partout azozo lokomo atana 7e so yende a fongoli pe atalisi ke mutumoko akoye ba 7e so te. Très bien, le frère Daniel na ende a tuna question, poser la question à pasteur Cass qui nous donne la différence qui existe entre le mariage monogamique et polygamique. Est-ce qu'un polygame peut être en mesure de satisfaire toutes les femmes en même manière? Non, la différence c'est que dans la monogamie, baboui batu baba la basi ebele. Mais ça dit l'okuta et aussi na ba catholique. Ba catholique basa batu nzambe te. Batu nzambe batu mineni nzambe nzambe moko basa ba polygame. Bible les années d'un mariage ébélé, ancienne alliance, nouvelle alliance. Y compris la Genèse. Dans la Genèse, il y a plusieurs alliances aussi. Avec Adam, c'est la seconde alliance. Avec Abraham, Tatanabiso, Navananaye, alliance ébélé. Donc, différence, Yangwa. Na polygamie, Ozali na droit, Mobali Ozali na Ndingisa, Yakoba la basi Ndengeye Alingi, mais Eza la basi Oyo Yaye, basi Amutumusosute. Différence Yangoana. Si quoi Motuna Batmingi Batuba. Est-ce qu'un polygame peut être en mesure de satisfaire toutes les femmes de la même manière? Ezali te pour yé à satisfaire basi. Basinde ye a bali po ba satisfaire ye. Yende azali kumu, yende azali chef, yende azali numéro 1. Eza loko la biso na nkolo Yeshua. Moko na biso azali koluka. Asepelisa ye, ye asepela na ndenge na ye kozala, kondima na ye, kosale la ye. Okosenga na chef te, ami kitisa, apoa satisfaire batunyos. Non, c'est le contraire. Na proverbe 31, komami boena, kumu le mec. Moi si ya malamu, azo sale la mobali na ye mikolo nyonso, makambo ya malamu kwa se peyiste. Zali mobali te, mobali a salama ki te pona moi si, mais moi si a salama ki po a sali sa mobali. Donc, eza mobali te, de akoki. C'est quoi que ça la nion soit ces pays ça y est bien sûr. Quand que ça la yango parce qu'ils allaient moins signer y est mais ils allaient moins signer à salama qui pour à ces pays ça mon cousin y est. Très bien. Quelle est votre pensée par rapport au passage de Matthieu 19 où le Seigneur renvoie toujours au commencement? Le Seigneur rappelle Azor renvoyé Batut Azor rappelé Azali ko si Koloma la Batut Bokanisa. Boye bake tango kolo ezaka yemoko kelaki mokili ezaki boyete sikoto komina ngonga mususu sikoto lati bilamba sikoto zali baike sikoyo maladi ezali liwa ezali politique ezali me tango wana tango akelaki mokili ezalaka boyete bazaki na bilamba te bazaki na soni te bayebaki lisumu te pe couple ezali kaka moko Adam na Eve yango wana nkolo alingaki koloba ezali malakisi nkolo apesaki na mosakoli branam biso nyonso toyebaki yango te donc lelo ezali lokola ntango wana te soki osali effort okoyoka makelele ya boulangerie awa na nsima baferayeur ozoyoka makelele na bango okoyoka bavion koleka mituka koleka mai na ntango wana ezalaka boye te ezalaka boye te. C'est quoi la période mususu simaya commencement c'est-à-dire naibande tout ça naibande dit tu commences dans souka donc hier le bien a battu te bozonga naibande ni bosala lokola ayibisi na mosakoli baranam e koki kosa le malelote o ezaki na naibande le lotu kun to za ba milliers na ba milliers ya battu na Chine ata e pa na biso ki ça ça ezali saturé. Mais na ebande leza ki bongo te nkolo alingaki kaka ko révéler na ba juif ke ebande li ezalaki ebande sikoyo tokomi na nsima ya ebande. Très bien, je pose la question à vous trois. Est-ce que aujourd'hui l'église primitive interprète mal la Bible, vrai ou faux? Non, c'est l'église véritable, l'église originale de notre Seigneur, et c'est elle seule
qui détient la vraie interprétation des Saintes Écritures. Parce que le Seigneur travaille avec elle et le Seigneur révèle sa parole, Sénèque, à son Église qui est son corps. Donc en dehors de l'Église, vous ne pouvez pas trouver la vraie interprétation de la parole de Dieu. C'est ça. Merci. Le nom de Jésus aujourd'hui est le mal compris. Le nom de Jésus, oui. Mais c'est sa parole d'abord. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19. Ça devait être mal compris parce que tout le monde ne pouvait pas comprendre le Seigneur quand il était sur la terre. Il était minoritaire. Les églises qu'il avait trouvées, les assemblées qu'il avait trouvées, les synagogues, tous ces gens-là, ils étaient réunis dans la politique, ils ne connaissaient pas la vérité. Seul Jean-Baptiste avec les disciples qui ont reconnu la présence du Seigneur. Donc Dieu est celui qui se cache. Aujourd'hui, il s'est caché parmi son peuple que nous sommes, mais il se révèle dans la simplicité. Vous-même, vous êtes sûr et certain qu'en dehors de cette église ici, il n'y en a pas une autre qui prêche la Bible dans sa forme originale. Donc, l'église primitive est revenue à la Bible. C'est la preuve que nous sommes ce genre-là que le Seigneur avait prédestiné à la vie éternelle. Les autres sont dans l'erreur. Donc le nom du Seigneur, c'est sa parole et elle est dans son église. Frère Kefa, la conférence Frère Kassautu et Psaïsoir, Moko Azali, Église et Bengani, à qui est l'Ibanda Église? Est-ce que parmi Monsieur Église, il y a des gens? Oh, mais si. Déjà, il y a mon conjambé à Benganaki. En Jinaïe, il y a Bengakaye, Bosso, Kéribin protecteur, au lieu de l'autre, il y a Benga Satan. Tant que Benganaki s'oppose à Nzambé, il y a des gens. Jamba Benganaki, il y a des gens qui trouvent nos avis de Ben à Eve, à Libota Adam. Dans la Bible, il y a des gens qui sont bénis. Serpent n'a jamais été un drame à Maudissa qui est à Bengani. Corée d'Acha Abiram, Basala qui révolte contre Moïse, Babengana qui bango. Mais 1 Corinthiens chapitre 5, Babengani ferme au Conaïa. Judas, Babengana qui est à Kenaki pour se prendre, Basala qui est juste dans la rapporte. Donc, but et église, et Zali qui enseigne vérité. Ceux qui battent, ils ne peuvent pas enseigner la vérité, ils ne peuvent pas contredire la vérité à l'Ibanjambé. L'Église des Anna doit faire des choses. Nous sommes obligés de tout enseigner quand l'Ibanjambé a révélé les lois. Le prophète de l'âme, ou un homme au sal, n'a pas un conseiller au sal ou un homme pasteur. Ceux qui battent la Bible, ils ne peuvent pas se révéler dans l'Ibanjambé. L'Église des Anna doit. Très bien. Pasteur Kass, la parole de l'Éternel déclare l'homme et la femme forment une seule chair. Quand un homme se marie à plusieurs femmes, font-ils combien de chairs? On a question au Portugal. Non. Pourquoi qu'on a battu combien de chairs? Chaque fois que l'homme a cobal, il y en a moi si naïe bakomi moutou moko. La richesse de Moutoumoko, un seul être. Tant que je suis là, moi si je suis là. Moi si on a à Bakisami, na moi si on a à Kiliboso Bakomi, moi si moko. Na mobali na bango moko, moutou na bango bakomi Moutoumoko. Moi si y a misato à Bakisami, moi si y a mine à Bakisami, 1000 femmes. Moi sa colibranam, kota na kolo Yeshua, à le biboui. Salomon a balaka 1000 femmes, koto yoko, namoko namoko. Mais lisanga na bango baso, ezalaki kosala moi si moko ya roi Salomon. Tata na ye Daoud azalaki na kama mitano ya basi, ya ye. Ye azalaki mutu, bango bazalaki binama ya nzoto na ye. Bango baso, totalité na bango, nde ezalaki kosala épouse ya David. Donc, na bango banso mutumoko, na David mutumoko, babale basali mutumoko. Ezali kaka loi wana, ezali koko kisam.
problème est lié à la théologie. La théologie, c'est ça, il n'a pas été. Il n'a pas chercheur. Il n'a pas scribe. Il n'a pas la traduction. Il n'a pas de romain, il n'a pas de protestant. Mais Jean Baptiste mon sac il a dévoilé ma camarade Bangonyonce. Bango bazo simba Bible. Alors bah comme si Bango est comme il camoko est comme compliqué. Bible les autres y a polygamie. Bande Genèse ti na Apocalypse. Genèse ti na Apocalypse. Bango bazo konsava tu vas le dire polygamie au tina Zambie. Mengan na Zan a versé mi balé zali polélé. Les autres qui s'acquittent Zambie des polygames. Yende attaque polygame pour la bateau y a l'ingaki. 2 Samuel 12 verset 8. Verset 24. Il y a un homme qui a David na te bango na tolo na yo. Donc bango banso na tolo ya David. Ba koma ki mutu moko. Zambe nde atia ki bango. 2 Samuel 12 bande na verset 8. Donc ce qui est aussi nombre 31. Kuna Zambe yende azoloba na église na ye et kangami na prophète Moïse na souverain sacrificateur mwana ya Aaron Eleazar kolo alinga ki yeminga lobi boka bola ba vierge na nombre na bango 32 000 personnes de vierges boka bola bango binomoko ngai pe bobombela ngai 32 vierges na Zambe, na prophète, na souverain sacrificateur, na ba lévite, batei, na ba combattant. Moko na moko aswa ki basi ko tan ankolo. Kolo ye moko aswi 32, a le bi bozwa yangai bo pese langai mo sali nangai Eleazar. Nani a koza na li pomba ya makasi aya ko juger les campes. Na nombre 30. Kolo pe ya ke na de tournoi mi be ko mi bale. À maudire mon tout canignon so à quoi mépriser polygamie le billard à quel amamabe oyo cani à cause en moi si mon koya basi à tatanaï la bible oyo ba et comme ami parce que bazali basi a yete bazalinde réservé na tatanaï réservé na tatanaï donc bible et comme ami la moïse a zaki polygame tatanaï au tina polygamie. Et ce qui m'a dit, je suis juge, je pasteur, je suis polygame. Tu continues dans Samuel, dans mon candidat, il y a Ruth. Ruth, à côté de il y a polygamie. Je bénir, je suis pamboli, je suis le bi, faux à la locale, Léana Raquel, je suis Tonga Kindakona, à Israël. Léana Raquel, je suis à Liboso, il y a polygamie, il y a Tata, je suis à Israël. Bate yo et bauti na séminaire la théologie, baza bate mo, baza bate mo. Très bien. Deux dernières questions. Que direz-vous des gens qui sont convaincus aujourd'hui au ministère de la femme? D'après vous, y a-t-il de femmes que le Seigneur utilise dans le ministère aujourd'hui? Non. Deux questions pour terminer. Non, moi c'est à mon côté un colo accueilli qu'au Bengaya à tienne le ministère. Banda boya qui en gona Genèse. Genèse des racines. Si ko eso kinze te wana ebimi e ko pesa kaka mbuma ya mayo ezaki na racine ko ko trahir racine te e ko zala kaka accusation c'est-à-dire identification témoignage ya solo ke c'est vrai oyo e kona makiawa ya ngonde tozo ya donc nkolo aboya ki ministère ya mwasi na tango ya F ministère ya mwasi yangonde bébé si mokili, yangonde kote si maladi, yangonde kote si politique, yangonde kote si loi. Ministère ya mwasi. Donc les lots na apocalypse, c'est-à-dire révélation, a le bina mwasi nyonso azote azali Jezabel. Pe mobali nyonso azali kotika mwasi ya teya. Dilo panazambe. Kolo a le bina ye, akope se liwa. Akopoma ye, naba e banso. Babotami na ministère wana ya mabe batei na ba e papa si permission na ba e balanda kaba lokola batia mama onangi na ye mobali na ye na mwasi na batunyo so bakende kuna bazabane ya sata. Mais aujourd'hui le ministère du combat spirituel est très fort. Ministère moko ya combat spirituel exacte 5 ministères des années. Ministère ya ba apôtre ya ba prophète ministère ya ba docteur. Il y a pas pasteur, na évangéliste, combat spirituel, les gens à la place. Selon vous, le combat spirituel n'existe pas?
Ça y est, mais ce n'est pas un ministère. Chaque croyant est exhorté à combattre spirituellement. Paul a dit à Timothée, combat, le combat de la foi. Ce n'est même pas le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Combattre pour garder la révélation. Batoa na bazo la ndaolangi, soki moi si, soki mo bali. Mais bazo combattre pour nous. Ministère na bangwe, c'est un ministère yalokuta, pour na kobo ma batu na zala. Na kosala nga na kanga ki bango mobali na mwasi na bureau na bango ba kauka ki bon na tuni motona ka mo parce que ba kende na télévision bana tuni question mobali ya sangi réponse après singa rendez-vous na kende na bureau na kende na ba frère to komika boya le bi moto soki ya sangi na basmi bali di bosso kondima il faut si ko ya boya moko pour a kota na kondima na le bi. Et comment mieux rappeler? Il est inoptisé, boy. Moi, si à côté, à quoi nous congagnerai? Nami sur l'angai, nami sur ma frère. Toi, c'est quelqu'un qui frère Wana. À où t'as eu conf? À quel cause la life? À zan à séjour de mort. À zan à prison à cause la life. C'est ça. Ministère de combat spirituel des athées. La Bible des athées. Est-ce que Moutou a confiant pour autant comprendre Valère et à Jésus? N'a jour à souka pas la ressuscité? Bah, tout le monde va ressusciter, mais il faut que ça la différence. Résurrection à Iposoye, Yaonde, Yaba, Ponami, pour ressusciter Nami Koloyo, pour n'a pas qu'un des Nalibal à Jésus-Christ. Le bien, c'est qu'il y a une émission na Digital Congo. Montez, il y a un qui pourra contredire pour l'Iyami. Aïe bien, ta te que Yeshua, aïe qui pour Nalibal. Aïe bien, le Rougout. Bon, quoi, t'es à gagner. Parce que Jésus-Christ a zali mobali à Libal. Non, on salue mariage. A quoi y'a qu'on soit biso? Pour la cause de mariage, mais en Amérique, en Jérusalem, mais en Jérusalem céleste, en Nicolo. Y'a un grand enlèvement. Donc, maintenant, c'est parce que c'est quoi? Après le millénium, pour le jugement, il y a un coup de maté, 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 il y a un moto, il y a un coup de maté, il y a un pape. Na ba prêtre nyonso bangonde ba ko kende liboso na moto. Merci. Tout comme Nasuka par rapport à l'émission Alelo, votre dernier mot de la fin par rapport à l'émission pour clore. Nous remercions seulement le Seigneur parce qu'il s'est révélé seulement à nous et nous sommes dans son église avec son serviteur après le départ du prophète. Et nous saluons tout le monde. Ceux qui ont le souci d'aller au ciel, ils doivent simplement s'aligner derrière la parole et derrière les ministères actuels. Et dans son église, ils seront pardonnés, ils recevront le Saint-Esprit. Et au jour où le Seigneur reviendra, nous serons ensemble avec eux et nous monterons dans les airs à sa rencontre. Merci. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous et aussi pour la lumière qui est répandue surtout sur cette ville de Kinshasa. Les élus croiront, ça c'est la parole vraie qui ne peut pas faillir. Mais les incrédules continueront, comme Daniel l'avait dit, les méchants ne comprendront pas. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous ceux qui ont l'envie de croire ce message. Merci. Merci beaucoup, comme a dit les frères, que le Seigneur soit béni pour nous avoir révélé sa volonté aujourd'hui dans son Église, l'Église véritable, l'Église primitive. Demandons seulement aux gens qu'ils puissent se repentir des fausses doctrines, de la mauvaise vie, afin qu'ils puissent être plongés dans l'eau, dans le nom d'Adonai Yeshua Amashia, le véritable nom qu'on avait appelé en Israël pour recevoir le pardon de leurs péchés. Enfin, ils vont recevoir les dons du Saint-Esprit pour attendre un jour aussi dans les vies. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. En prière, votre dernier mot de la fin par rapport à l'émission. Pourquoi le message des temps de la fin fait peur aux gens? Parce que c'est le Seigneur. Le message des temps de la fin, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, sous la forme de la parole, sous forme de la semence. Et puis c'est la vérité. Et cette vérité n'a pas de frontières comme telle. C'est une puissante vérité. C'est le Seigneur lui-même qui s'est fait connaître au monde. De même que Satan tremblait toujours dans la présence du Seigneur, de même aujourd'hui, il fallait aussi que Satan tremble. Tous ceux qui ont peur du message du temps de la fin sont des enfants du diable, parce qu'ils tremblent devant la présence du roi.
Voilà pourquoi le prophète Branham m'a enseigné sur l'homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Là, tous les pasteurs sont en train de fuir. Mais ils doivent s'arrêter, s'asseoir, prendre leur Bible pour que nous étudions le mariage et le divorce. Si c'était des enfants de Dieu, ils verraient du coup que c'est la vérité. Ils n'auront même pas de questions. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission Point de vie. 38 minutes de vérité avec le frère Cass et le membre de l'église primitive. Nous, nous sommes là. On va toujours continuer à être derrière la vérité. La vérité ne dérange que les imbéciles. Syllabis et Zali, hein. Syllabis et Zali. Syllabis. Votre boss est un syllabis par rapport à la conférence. Ouais. Par rapport à la conférence. Ce n'est pas encore terminé. Mais nous avons les DVD qui rapportent tous les détails de la conférence internationale, c'est-à-dire mondiale. Conférence de l'église politique. Merci. Le monde des erreurs du prophète, la brochure déjà prête. Ici, nous montrons la vérité au prédicateur en Bandaka en 2015. Ici, nous montrons la vérité au traducteur de la voix de Dieu employé par les enfants de Frère Branham. C'était sur le mariage et le divorce et il était convaincu. Là en bas, vous avez Val Franck, vous avez Baruti Kasson de Billy Paul, et ainsi de suite, les gens qui ont dérangé le message du temps de la fin, parce qu'ils ont fait le mixage par rapport aux enseignements de notre frère. Merci. Tout le plaisir était pour nous. Nous sommes arrivés à la fin. Te remercier Erkeli Oazaï qui est ma caméra. Te remercier monteur Nabisso Christian Merveille au Bazala qui paye Nabisso Namusika. Te remercier Batunio Sotouboza suivi par rapport à l'émission. Nous recevons des appels de partout. Il y a Londres, il y a Suisse, il y a Paris. Même il y a Inde. Peut-être Sotouboza bien Nabisso par rapport à l'émission. Donc ma question est de tout le monde parce que temps. Ils ont un appel à temps. Donc chaque semaine, tu as par rapport à la suggestion Nabino sur le plan spirituel. Restez scotché, surmonté. Ciao.